Holy smoke, what's that? Looks like a multi-directional system applied to a football move. Moving studs? They make turning smooth and improve control. Name, I need to know the name. MSK by Kelman. I want that technology. En direct sur Eurosport, le top 8 de l'athlétisme mondial, toute discipline, vous donne rendez-vous pour la grande finale du Grand Prix. Au Japon, Fukuoka réserve à ses hôtes le titre le plus prestigieux de l'année. Athlétisme, la finale du Grand Prix au Japon, ce soir 20h heure française sur Eurosport. Avec Lischer Pilsner et Isostar, Fast Acting Isotonic Sports Drink. Retour sur les routes du Tour d'Espagne en direct avec Hyundai, quand la réalité dépasse l'imagination. Retour sur la course avec un peloton toujours lancé à la poursuite des 10 échappés qui animent cette 8e étape depuis le départ, puisque c'est dans les tout premiers hectomètres que les coureurs se sont dégagés. Je sais pas, quand on est un hélicoptère, on évite de se poser à côté d'un camion citerne, ça peut être dangereux. Mais bon, bref, on retrouve le peloton ici au ravitaillement. Il reste exactement 63 km de course, un peu moins évidemment pour les échappés. Je pense que tout simplement l'hélicoptère a connu une panne d'essence et on est en train de le ravitailler en kérosène. C'est une mésaventure dont vous êtes et nous également les témoins volontaires. Bon, tout va bien, ce qui va peut-être d'ailleurs occasionner quelques petits problèmes de retransmission, enfin d'image en tout cas, puisque ce n'est pas l'hélicoptère relais, mais l'hélicoptère de la caméra. Alors on retrouve le peloton avec Laurent Brochard ici qui passe devant Pascal Hervé. Laurent Brochard qui a connu hier une journée difficile, tout comme son compagnon de chambrée, Didier Rousse. D'ailleurs, le fait que ces deux coureurs aient connu quelques petits problèmes en même temps, durant la même journée, alors que Didier Rousse, notamment lors de la première étape de montagne, avait été très efficace pour Laurent Dufaux. On l'avait vu emmener le peloton dans la principale difficulté de la 6e étape. Eh bien, ces deux coureurs se demandent si justement ils ne partageraient pas tout à fait les mêmes microbes. Peut-être ont-ils attrapé quelque chose. En tout cas, on va le savoir très vite. Mais ils sont assez inquiets et perplexes quant à l'avenir et quant aux prochains jours de course. C'est très dommage parce que aussi bien Laurent Brochard que Didier Rousse sont d'un soutien essentiel pour Laurent Dufaux, alors que vous le savez, tout le plat de résistance bien sûr de ce Tour d'Espagne reste encore à déguster, notamment les étapes qui seront disputées dans les Asturies, des étapes très difficiles. Dans ces cas-là, il est évident que la présence de Didier Rousse et de Laurent Brochard, tous deux excellents grimpeurs, eh bien, est primordiale aux côtés de Laurent Dufaux. Il est vrai que ce serait un coup très dur pour Festina de perdre deux coureurs de la valeur de Rousse et Brochard, car en montagne, ils sont quand même des gens très importants, des équipiers très importants. Leur jour est à venir et si ils ne vont pas mieux, bien qu'aujourd'hui ce soit moins dur, donc ils auront peut-être la possibilité de récupérer un peu. Avec demain un contre-la-montre, il faudra quand même pas trop flâner non plus pour être dans les délais. Mais il est vrai que ce ne serait pas facile pour Laurent Dufaux d'attaquer la deuxième semaine avec deux coureurs de cette valeur en moins. L'écart est en train d'augmenter à nouveau. Hein. Et tout à l'heure, il était redescendu à 3 minutes. Et bien finalement, maintenant, les coureurs de tête qui s'entendent assez bien, à l'image de Fabrizio Guidi ici, eh bien, sont en train peut-être de reprendre du terrain. Alors Guidi, on est en train de laisser passer les coureurs. On a vu Piccoli, Bramati, ici c'est Canzonieri. Derrière Canzonieri, Marco Lietti, Bart Voskamp, Leon Von Bonn. Il y a également Mauro Radaeli et Neil Stevens qui ferme la marche. J'ai oublié de vous citer également le coureur de l'équipe Euskadi. C'est l'Espagnol López Uriarte. 10 coureurs en tout et pour tout au sein de cette échappée. Et je crois 10 équipes différentes représentées. Ouais. Donc, ce qui est important parce que donc il y aura forcément une bonne entente. Et derrière, pose beaucoup de problèmes pour le peloton car peu d'équipes seront certainement intéressées à rouler. C'est pour ça qu'on a vu simplement les Kielmé. Alors que le train, avant que les Kielmé reviennent à l'avant du peloton, était en fait soutenu par l'équipe du maillot jaune, l'équipe Festina.
qui maintenant a laissé le relais à ces quelques équipes qui ne sont pas représentées devant et qui ont encore des sprinters au sein du peloton. On voit Guidi là qui travaille beaucoup dans cette échappée depuis que nous l'avons à l'écran. Guidi qui est très motivé, qui aimerait bien démontrer, c'est le vœu de l'équipe Scrigno, démontrer à l'organisateur du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, et bien que cette équipe a sa place dans un grand tour. C'est l'une des équipes qui avait eu le plus de difficultés à admettre sa non-participation à la grande boucle, l'équipe Scrigno qui avait préparé ce rendez-vous comme beaucoup d'équipes certainement, mais qui cherche à démontrer que si l'équipe Scrigno n'est pas l'une des équipes classées dans les 15 meilleures formations du monde, et bien que c'est néanmoins une équipe de grand talent. Le problème, c'est qu'on dit que Fabrizio Guidi ne resterait pas l'année prochaine au sein de cette formation dont il est l'élément majeur. Oui, car Guidi a quand même une très bonne valeur au niveau de la vitesse, c'était quand même un très bon sprinter qui a prouvé qu'il a déjà gagné de nombreuses épreuves, de nombreuses étapes. 15 victoires l'an passé. Donc c'est quand même énorme pour une équipe comme Scrigno de remporter 15 victoires. Beaucoup d'équipes en a beaucoup mieux classées, en a gagné beaucoup moins. Et sur ce Tour d'Espagne, néanmoins, il n'a pas encore connu de succès, même s'il a porté durant une journée le maillot de leader. Marco Lietti de l'équipe Refin qui passe le relais à nouveau à Fabrizio Guidi dont on vous parlait à l'instant. Léon Van Bonne de l'équipe Rabobank, un excellent finisseur. Derrière Mauro Radaeli, l'un des plus rapides, le nouveau leader des étapes volantes à l'issue de ses deux premiers sprints intermédiaires. Angelo Canzonieri, Bart Voskamp et à nouveau Marco Lietti. On n'a pas vu passer Bramati, on n'a pas vu passer non plus l'Espagnol Lopez Uriarte. Et toujours derrière le peloton, voilà, avec les Asics et les Calmet. Voilà, toujours les deux mêmes équipes en fait qui ont relayé les Festina à la tête du peloton pour essayer de réduire l'écart. Donc avec Arsenio González là de Calmet à l'écran. Avec en deuxième ligne un petit peu l'équipe Festina et certainement le maillot jaune très bien placé. On a aperçu Laurent Brochard aussi. Alors l'équipe Calmet qui a un sprinter en la personne d'Angel Edo, vous l'avez dit Jean-François. L'équipe Asics également qui possède un coureur très rapide en la présence de Samuel Schiavina. Elle avait un autre coureur rapide qui a d'ailleurs obtenu quelques places sur ce début de Vuelta. Mais effectivement Federico Colonna lui a abandonné. Donc il ne reste plus qu'une carte maîtresse dans la perspective d'un sprint massif à l'issue de cette étape. Et toujours Neil Stephens dans les dernières positions donc, de cette échappée qui n'a pas de relais à prendre puisqu'il fait partie de l'équipe du leader et qui se contente simplement de suivre et d'attendre. Et qui est vraiment quelqu'un qui est un redoutable finisseur. Oui, il va falloir le surveiller de très près parce que là évidemment il n'a pas eu à donner un coup de pédale. On peut penser que Neil Stephens ne s'est pas fatigué davantage que s'il était resté au sein du peloton. Oui, surtout c'est un coureur très très malin et tactiquement un des plus forts dans le groupe. L'écart est stabilisé autour de entre 3 minutes 20 et 3 minutes 30. Et pour l'instant, eh bien, l'avantage est donc à cette échappée parce qu'à moins de 60 km de l'arrivée, maintenant, eh bien, à 54 km voilà, précisément de l'arrivée, il va falloir très rapidement réagir. Les prochains kilomètres seront certainement décisifs. Si l'écart ne fléchit pas dans les 10 ou 15 prochains kilomètres, il sera difficile ensuite d'envisager la jonction avec tous ces coureurs qui figurent au sein de l'échappée. Surtout qu'à mon avis, les leaders qui restent derrière dans le peloton, eux pensent déjà au contre-la-montre de demain. Donc ne vont pas faire forcément rouler leurs équipiers sur un coup de 10 coureurs qui est à l'avant de la course depuis le départ en fait. Et peuvent laisser un petit peu la course se dérouler comme ça et rester tranquille dans le peloton. Allez, on fait le point dans un instant, juste après cette page de publicité. Estepona, Costa del Sol. The Sun. The Beaches. The Tradition. The Joy. A pleasure in Spain. Estepona, a
place under the sun. Voici Eutelsat. C'est la télévision numérique du futur transmise par les satellites Hotbird à 13 degrés est. Eutelsat, c'est partout des images parfaites et un choix fantastique d'émissions les plus variées en français et dans un très grand nombre de langues. Alors demandez vite à votre installateur l'antenne satellite Hotbird d'Eutelsat et préparez-vous à passer de sacrés bons moments. Eutelsat, la nouvelle télévision. Les premiers World Air Games, c'est 17 sports pour s'éclater en plein ciel. L'action à vous couper le souffle dans le ciel de Turquie. Acrobaties aériennes, aérostations, deltaplanes, chute libre. Sur Eurosport, préparez-vous à avoir la tête dans les nuages pour dévorer les grands espaces. Les World Air Games, à partir de lundi 16h30 heure française, en direct sur Eurosport. Avec Thompson et Rejan. Retour sur les routes du Tour d'Espagne en direct avec Eutelsat, le satellite de télévision. Retour sur la course, cette huitième étape de transition entre Grenade et Cordoue. On reste en Andalousie et le peloton passe maintenant dans cette localité avec un retard toujours supérieur à 3 minutes par rapport aux 10 coureurs échappés. Il reste pour le peloton encore 54 km de course, un peu moins bien sûr pour les échappés que l'on retrouve en haut à gauche. Des échappés qui sont, je vous le rappelle, Bart Voskamp, Angelo Canzonieri, Léon Van Bon, Fabrizio Guidi, Bramati également, l'italien, dont le prénom m'échappe, Davide Bramati, Michele Piccoli, Mauro Radaili, Marco Lietti, Ney Stevens et enfin l'Espagnol Lopez Oriarte, 3 minutes 03. Ah, ben l'écart là quand même est en train de diminuer, cette fois-ci de façon assez substantielle, même si tout à l'heure, lorsque les coureurs étaient à 70 km de l'arrivée, une première fois déjà, cet écart était redescendu à proximité de ces 3 minutes. On voit que la poursuite est toujours animée par les mêmes équipes, deux formations. 4 coureurs exactement, c'est 4 coureurs de l'équipe ASICS et de l'équipe Kelme avec Diego Ferrari de l'équipe ASICS notamment qui vient de passer le relais ici à Arsenio González et puis l'autre coureur de la formation ASICS c'est je pense Andrea Noé sans aucune certitude. En tout cas 4 coureurs seulement, c'est peu. Puisque devant, ils sont davantage à se relayer. La différence, c'est qu'à l'avant de la course, bien sûr, cela fait maintenant un bon moment. 160 km pratiquement. Non, 120 km. Un peu moins de 120 km. Qu'ils sont échappés à l'avant de la course. Et évidemment, ils ressentent certainement déjà le poids de la fatigue. Puisque depuis le départ de cette échappée, il y a une bonne entente au sein de ce groupe. Ce qui explique tout à l'heure que l'avance des 10 hommes de tête est bien avoisinée les 5 minutes. En fait, la vue qu'on avait d'hélicoptère tout de suite nous montre bien qu'on a perdu beaucoup de coureurs au sein du peloton parce qu'il devient de plus en plus petit. Et il y a eu de nombreux abandons quand même en une semaine de course, ce qui est très rare dans un grand tour. Et on sent que beaucoup de coureurs sont fatigués et la Vuelta va être impitoyable pour les 15 derniers jours. 154 coureurs seulement ce matin au départ, avec des surprises quand même hier, comme l'abandon de Abraham Olano, bien sûr, on en a longuement parlé, mais parmi les coureurs qui ont quitté la course hier, eh bien, il y avait également l'anglais Chris Boardman qui pouvait espérer remporter demain le contre-la-montre de Cordoue. Eh bien, 48 heures plus tôt, il aura quitté la course. On essaiera d'en savoir un petit peu plus, bien sûr, mais Chris Boardman, lui aussi, a vécu une saison pleine qui a débuté dès le Tour de Murcie, où il avait remporté le contre-la-montre de cette épreuve au mois de mars. Et par conséquent, eh bien, on peut penser que Chris Boardman n'a plus toute sa fraîcheur athlétique.
Parmi les abandons d'hier également, je vous rappelle les noms de Philippe Gaumont, Federico Colonna, Michael Anderson, Luca Pavanello, Marco Zanotti, Stefano Dante, Vladimir Belli, Orlando Rodriguez, Emmanuel Hubert, Tristan Hoffmann, Paolo Ferreira, Peter Meinert, Scott Mercier, Santos Gonzalez, Inigo Gonzalez. Ça fait beaucoup, hein, 25, c'est impressionnant. Paolo Barroso, Anton Villatorio, Roberto Petito, Alexander Scheffer, Mirko Rossato, Jens Kurz, Andrea Leoni, Stefano Zanini. Et c'est à peu près tout. Andrea Dolci, Marco Della Vedova. Voilà les abandons donc de ces dernières heures finalement, auxquels il faut ajouter aujourd'hui un abandon de Marc, qui nous concerne directement puisqu'il s'agit d'un coureur français et qui plus est du champion de France, Stéphane Barthe, qui s'est retiré. Ce matin, il avait une petite mine alors que les jours précédents, il était en pleine forme. Là aussi, on va essayer d'avoir Laurent Biondi, le directeur sportif de l'équipe Casino, qui pourra peut-être nous en dire davantage. Mais après 70 km de course aujourd'hui, Stéphane Barthe a renoncé. On sait qu'il était particulièrement motivé au départ de cette Vuelta, lui qui n'avait pas participé en raison de son jeune âge au Tour de France. Stéphane Barthe, qui est, ne l'oublions pas, néo-professionnel. C'est-à-dire qu'il est professionnel depuis le début de la saison seulement. Oui, peut-être une saison un peu longue pour Barthe, bien qu'il n'ait pas fait le Tour, mais il a énormément couru en début de saison puisqu'il avait déjà remporté une étape du Critérium International, étape en ligne du samedi. Et il avait confirmé par la suite, donc en devenant champion de France à... Alors, je vous interromps juste un instant, puisqu'on a Francis Lafargue, le manager de l'équipe Banesto. On parlait, Francis, bonjour, on parlait bonjour. Des abandons d'hier. On va pas revenir sur l'abandon d'Abraham Olano, si ce n'est pour vous demander quand même si vous en savez davantage concernant les raisons de cet abandon ou s'il faut encore patienter. Malheureusement, je ne peux pas vous donner d'informations complémentaires puisque donc Abraham a abandonné hier. Il s'est soumis donc à des prélèvements, je dirais, pour faire des analyses qui seront examinées et dont on attend les résultats le jour prochain. Il ira aussi à la clinique de Pamplune où on cherchera un petit peu plus d'où peut venir ce mal. Et donc, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner. Alors, en ce qui concerne Armand de Las Cuevas, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'Armand de Las Cuevas est devenu le nouveau leader de l'équipe Banesto sur ce Tour d'Espagne? Oui, il est clair que pour le moment, Armand de Las Cuevas est devenu notre leader pour ce Tour d'Espagne, vu qu'il est quand même dans les premiers au classement général, qu'il marche très bien, il est en bonne forme. Et nous allons jouer la carte Armand de Las Cuevas, bien sûr, pour ces 15 jours qui restent encore pour cette arrivée sur Madrid, et avec beaucoup de péripéties à venir aussi, beaucoup de montagnes et des contre-la-montre dès demain. Alors vous connaissez parfaitement bien Armand, évidemment. Il est actuellement 8e, il est à 2 minutes 30 à peu près du leader de l'épreuve. Quelles sont selon vous ses véritables capacités compte tenu du début de saison d'Armand de Las Cuevas, enfin de cette première partie de saison qu'il a accomplie sans participer notamment au Tour de France? Écoutez, je dirais d'abord que Armand de Las Cuevas est un garçon, est un coureur. On a retrouvé le coureur, donc cette année, Armand n'a pas fait le Tour de France. Il y avait une section difficile pour la Banesto cette année, et tout le monde marche bien. Et on avait décidé, donc en accord avec Armand, de le préserver pour le Tour d'Espagne, dans lequel il pourrait éventuellement jouer les troubles faites. C'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui est surtout positif pour ce qui concerne donc Armand, c'est d'avoir retrouvé le coureur et certainement le très bon coureur qu'il était et les satisfactions qu'il peut nous amener dans ce Tour d'Espagne dans les jours qui viennent. Alors, dernière question, un peu plus indiscrète. On sait qu'Armand de Las Cuevas va participer au championnat du monde contre la montre. En tout cas, Charlie Mottet compte sur lui. On sait également qu'il n'a pas encore signé de contrat avec Banesto l'année prochaine. Est-ce que là, d'abord, la balle est dans quel camp exactement? Non, je dirais que d'abord, en ce qui concerne les championnats du monde, Charlie Mottet effectivement est sur la course. Et c'est très bien ainsi, car il peut voir, et je crois qu'il est encore là demain à Cordoba où se déroulera le contre-la-montre, il pourra voir Armand à l'œuvre, je dirais, dans sa spécialité. Mais
D'autre part, c'est vrai que nous n'avons pas encore rediscuté pour l'année prochaine avec Armand. Armand n'est pas du tout écarté de notre équipe, mais vous savez qu'on est en pleine période de transfert. Le nombre de coureurs est limité l'année prochaine à 22 par équipe. Et donc, nous sommes en renégociation avec Armand. C'est vrai que chez nous, cette année, ça s'est très bien passé. Et si lui, il veut dire continuer, bien sûr, avec nous. Et pour nous, les portes sont toujours ouvertes. Il n'y a pas non plus de décision définitive prise à ce sujet-là. Donc, je pense que ça se décidera durant la Vuelta ou avant la fin de la Vuelta. Je pense aussi qu'il aura d'autres offres de l'extérieur, car Armand est un garçon et surtout une valeur sûre du cyclisme français encore. Alors juste une confirmation, vous nous confirmez que César Solaon, Jon Odriozola et également le Portugais Barbosa rejoindront l'effectif de l'équipe Banesto la saison prochaine? Oui, absolument. Ce sont les nouveaux coureurs pour la saison prochaine, sachant que la majorité des coureurs ont re-signé, dont le sprinter Jeremy Hunt, qui a gagné une étape du Tour de l'Avenir récemment, et il a re-signé pour 2 ans avec nous. Donc la Banesto continue aussi pour 2 ans minimum. Et nous sommes dans l'attente de la réponse de Cacero qui est annoncée chez Vitalicio, une nouvelle équipe en Espagne qui va naître, donc avec peut-être Cacero. Oui, et également Prudencio Indurain qui rejoindrait cette équipe qui sera présentée demain d'ailleurs à Cordoue, à la presse et au public. Merci Francis Lafargue, merci pour ces informations. On n'hésitera pas à vous rappeler bien sûr dès qu'on aura besoin de quelques précisions à nouveau sur l'équipe Banesto. Avec voilà. Un plaisir, merci à vous. Merci, voilà, on retrouve l'équipe Once maintenant ici à l'image avec Alex Zuleux, avec Laurent Jalabert. Pour compléter juste une dernière précision par rapport à l'équipe Banesto, c'est Aitor Garmendia qui quittera cette équipe à la fin de la saison et qui rejoindra justement l'équipe de Laurent Jalabert et d'Alex Zuleux. Il faut dire que Garmendia précédemment avait déjà appartenu à cette formation ONCE. Ça, c'est le chapitre transfert. C'est normal. Le Tour d'Espagne tombe en pleine période, c'est ce que nous disait Francis Lafargue, en pleine période de transfert. Il faudra vous y habituer. Je pense que ce sont des informations qui sont intéressantes. Savoir exactement qui va où. On parle des stars, on parle pas seulement des stars, car Eurosport, c'est la chaîne de tous les coureurs. Voilà, on fait une petite pause et puis on se retrouve juste après une page de publicité.